4 août, le temps de vous présenter la vidéo coloriage terminée du mois de juillet. Alors pour ce mois-ci, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 coloriages mystères et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 en mystère. Alors je pensais pas pouvoir en avoir fait autant parce qu'on a eu des périodes où il a fait assez chaud et donc quand il fait chaud, c'est pas évident de colorier, mais bon, finalement, je suis contente. Donc, on va commencer tout de suite par. Bon, je vais prendre par l'ordre de ma pile qui m'arrive, par les animaux sous la loupe de Rita Berman. J'ai fait une double page. Alors, au départ, j'avais prévu de faire une simple page, mais du coup, je l'ai fait en double page. Au départ, voilà, elle est là. C'est celle-là. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte en cours de route que c'était une double page. Parce que vous voyez, au niveau de la jonction, là, voilà. Du coup, j'ai fait en double page parce que je voulais faire cette partie. Parce que pour le thème jungle de la mission abonnée de Marine Art. Voilà, alors le colo, je l'ai fait au Pablo. Essentiellement au Pablo, sauf l'éléphant que j'ai fait au Polychromos, et puis j'ai mis un peu du stylo gel, je sais pas si vous voyez, peut-être un peu zoomé. Ah, j'ai mis du stylo gel un peu dans les pistils des fleurs, dans le bec, voilà les pistils, les cœurs, voilà un peu dans les ailes du toucan et dans le truc perroquet. Et puis le fond, je l'ai fait avec les wash crayons, c'est-à-dire les craies, là, les dupes de Gelatos. Voilà, je suis assez contente de mon petit colo. Après, le cercle de la vie, toujours dans le cadre de la mission abonnée, il fallait faire des papillons. Alors moi, j'avais pris l'option de ce coloriage qui était là, le cycle de vie d'un papillon, c'est-à-dire le cocon, la chenille et le papillon. Et celui-là, à mon avis, voilà, j'ai fait au Polychromos, aux Zitens. Qu'est-ce que j'ai fait aux Zitens? Ça, je l'ai fait au tout début du mois de juillet. Je ne sais plus ce que j'ai fait au mois de juillet. Aux Zitens. Bon, j'ai dû faire quelques éléments aux Zitens. Du stylo gel. Et puis, le fond au néocolor. Voilà. Puis, alors j'ai pas mis beaucoup de paillettes ce mois-ci dans mes colos, donc il n'y a pas de paillettes, ni dans le truc de la jungle. Après, quand c'est nature, c'est pas évident de mettre de la paillette. Après, j'en ai fait deux dans le Thunderful Enchantement. Alors, j'en ai fait un pour le, voilà, pour le thème la sirène de la mission des abonnés. Voilà. Alors là, par contre, j'ai mis des paillettes. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis pas mal du mode podge. Du vernis à ongles. Alors, pour la mission des abonnés, alors c'est lequel celui-là? C'est celui-là. Alors, bon, comme d'habitude, c'est Polychromos, Intense je crois les pierres, les cailloux en bas, j'ai mis des Intense. Du néocolor pour le fond. Et puis Posca blanc. Vous voyez le Posca blanc et le Stickles.
Et là, pour une fois, je suis allée pratiquement au bout de mon coloriage. Il reste plus que l'anneau, là. Peut-être que je finisse. Voilà pour celui-là. Et après, là, c'était un duo que j'avais, que je fais avec un groupe Facebook. Voilà, c'est celui-là. Mon petit caneton. Avec le petit, on va dire, le lutin. Que j'ai fait. Ben encore, polychromos, intense pour le sol. Voilà. Et puis le fond néocolore. Et là, je n'ai pas mis de paillettes. Et j'ai fait le coloriage en entier d'à côté. Voilà. Après, j'ai fait. Alors, toujours dans la mission abonnée, dans le féerie, j'ai fait la licorne. Voilà. Licorne, alors ça je l'ai fait en une soirée très rapide. J'ai fait avec une base au feutre à alcool, vous voyez, hop, feutre à alcool que j'ai ombré avec du Pablo ou du polychromos. J'ai passé du stylo gel argenté dans la crinière. Là, c'est de la peinture nacrée de Paul Rubens. J'en ai passé un peu dans les roses. Et puis le fond, c'est du Wash Craden, les craies, là, les dupes du gélatos. Voilà. Et enfin, dans les hors mystères, que je continue toujours d'avancer, mon saison, j'en ai fait 4. J'ai fini la page printemps. Page printemps, printemps. Du coup, j'ai fini la section printemps. C'est là. Voilà, cette double page. Voilà. Alors. Ah, je ne l'ai pas marqué. Alors bon, me semble, en reconnaissant les combos, c'est du néocolore pour l'ensemble du colo, y compris le fond. J'ai mis un peu de. Paillettes, c'est du Mod Podge dans les ailes de la mouche, je sais pas, ou de l'abeille. Un peu dans les diamants qui se trouvent au cœur des fleurs. Et après, pour ce colo, alors, si je me rappelle, il y a des intenses pour le sol, polychromos et un peu de Pablo aussi pour les fleurs. Et pour le diamant qui sert de bouchon. Et le fond, c'est les tampons, c'est les encres, l'encre de chez Action que j'ai pris, qui se vend le lot de 6 là, qui ressemble au distressing, là, les petits carrés. Voilà, je ne les ai pas sous la main, je ne peux pas vous les montrer. Et après, j'ai fait un coloriage dans la page hiver. Alors, je n'ai pas taffé dans le style hiver. Alors, ben bon. Là, j'ai fait alors le personnage. Tout ce qui est crayon de couleur, c'est au polychromos, comme d'habitude. Que j'ai contouré avec du Posca ou des Artistro. Alors, le portrait, oui, je ne suis pas encore toujours au point, mais bon. Et le fond, j'ai fait avec de l'aquarelle nacrée d'Action. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis des paillettes? Non, pas spécialement. Voilà. Après, on va passer au coloriage mystère. Alors là, il y a des fleurs. J'ai colorié dans mes deux tomes de fleurs. Alors, on va commencer. D'abord, j'ai voulu commencer ce livre, les fleurs. Alors, pour moi, je l'appelle tome 2 parce que j'avais celui-là que j'ai depuis 3 ou 4 ans. Hein. Non, depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé. Alors, tu là, j'ai fait les. Voilà, les fleurs. Page 1 et page 2. Voilà. Après, là, voilà, j'aime beaucoup. Après, les fleurs, je trouve que l'avantage, c'est des grandes zones. On ne se prend pas la tête. C'est des couleurs simples. Il n'y a pas trop. Je me trouve. En mode détente, c'est sympa. Et du coup, comme j'ai fait mes fleurs, là, j'étais tentée pour aller. Dans celui-là, pour l'avancer, et j'ai fait des fraises. Voilà, des fraises avec des fleurs. Voilà. Voilà. Un peu long à faire parce que là, il y a des blonds. Par rapport à la piste pour des fleurs, celui-là, c'est les fraises quand il est un peu long.
Mais voilà. Après, j'ai fait Mystère inédit, tome 2. Bon, moi, j'appelle tome 2 parce que j'en ai 3 dans cette collection. Donc, c'est pour me repérer dans mon tracker. Et j'ai fait page 42. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est le petit poste de radio enfant. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un livre de coloriage mystère. C'est pas mal enfantant. Il y a pas mal des jeux d'enfants et tout. Assez coloré. Pareil, c'est des coloriages simples. Moi, ça m'a bien, voyez. Donc, moi, je l'aime bien de temps en temps d'y aller. Voilà, c'est des trucs tout mignons. Après, dans les tropiques. Page 2. Qu'est-ce que j'ai fait en page 2? Ah oui, j'ai fait les fruits. Pastèque, en entier, la tranche, la banane. Et ça, c'est des grenades. Voilà. Voilà, voilà. Bon, celui-là n'est pas extraordinaire, mais bon. Voilà. Et après, j'ai quand même fait un coloriage Disney ce mois-ci. Attendez, ma pile est en train de tomber à côté. J'ai commencé le nature. Hop. Dans le nature, j'ai fait page 67. Hop. Ah, j'ai fait ce petit lézard. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit. Alors, on va voir si on trouve la solution. Après, encore, comme je vous dis, hein, moi, je fais toujours au feutre et je ne regarde pas les solutions. Jamais les solutions, hein, parfois, il y a des ratés. C'est Pascal dans réponse. Voilà. Pour les connaisseurs. Voilà. Voilà pour ma vidéo coloriage terminée. Là, vous allez retrouver. Alors, il y a 3 personnes qui m'ont envoyé ces colos, leurs colos pour le mois de juillet. Donc, vous allez les retrouver. Et puis, on se retrouve après avoir vu les colos des colos copines. À toutes. Cette vidéo est pour remercier l'ensemble des colocopines qui m'ont envoyé leurs œuvres, hein, et que je remercie beaucoup et que je trouve toujours très sympa et très beau. Pour le mois de août, alors là on aura un planning très très serré. Contrairement à d'habitude, je vous demande de l'envoyer le premier du mois suivant. Cette fois-ci, je vais vous le demander parce que moi je pars en vacances le 2 août. Enfin, le 2 septembre. Je pars en vacances pour 2 semaines. Donc, si je veux sortir la vidéo pour le 1er septembre, parce que sinon après ça va être pas avant le. Je reviens le 17. Donc, ça va pas être avant en fait. Voilà. Ça va être un peu tard. Il faudrait que vous m'envoyiez vos coloriages avant le 31 août 20h. Moi, ça me laisse le temps quand même de faire la vidéo, la mienne, soit le soir, soit je la fais le 31 après-midi, et de faire le montage le premier, sachant que le premier, j'ai aussi mes bagages à préparer. Mais bon, j'arriverai à trouver un créneau, faire le montage et le mettre dans la machine pour que YouTube la fasse paraître. Voilà, donc exceptionnellement vidéo pour vous, non, vos envois pour vous le 31 août, 20h au plus tard. Je ne ferai pas de report de date de temps en temps, quand j'ai de la marge, quand je vois que je ne pourrais pas les sortir tout de suite. Je vous laisse un peu de marge, mais cette fois-ci, je n'aurai pas le temps de vous en laisser.
Et puis voilà. Et puis je souhaite un peu m'excuser de bredouillage parce qu'aujourd'hui je suis pas en forme. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle dans la journée. Mais bon, je tenais quand même à faire cette vidéo pour que vous ne tardez pas à voir la vidéo des coloriages terminée, notamment pour celles qui m'ont envoyé leur colo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui ont repris ou pour ceux qui, comme moi, qui n'ont pas encore pris leurs vacances. Et puis pour ceux qui n'ont pas de vacances. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement en vlog, qui est en train de se faire. Et à bientôt. Bisous, bisous.